Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Borderlands 3. Donc aujourd'hui, on va continuer l'aventure, et comme d'hab, vous vous en doutez, je vais me téléporter directement. Je dois aller chercher le, comment on appelle ça, l'armement de l'armurier. En fait, il nous a donné accès à sa cache d'armes, on va dire. Donc du coup, c'est plutôt génial en fait, parce que peut-être qu'il y aura des armes puissantes, allez savoir. Mais bon, peut-être que non, on verra bien. Mais bon, je pense que le truc que j'ai le plus envie, franchement, c'est de quitter cette putain de planète. Ok. Donc, il y a une seule et unique arme. C'est un fusil d'assaut légendaire, quand même. Hein. Donc, on est sur quelque chose de haut niveau. Avec un dégât de coup critique de plus 10%, un dégât au corps à corps de plus 60%. Donc, moi qui aime bien foncer dans le tas, ça peut être vraiment génial. Un zoom d'arme à 3,3. Et des coups critiques font ricocher une balle sur l'ennemi le plus proche. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment génialissime. Évidemment, on le prend. Alors, au niveau de l'équipement, je suis comment là? J'ai donc mon snipe à 316, mon pistolet à 259, la mitraillette à 333 et ça en légendaire. Donc elle fait des dégâts de flamme et elle fait des dégâts de poison. Donc on va virer ce pistolet. Et à la place, on va prendre cette mitraillette. On va regarder un peu les dégâts qu'elle peut me faire. Donc là, celle-là, je l'aime bien. Celle-là, elle est pas mal, hein, légendaire. Ça, c'est mon snipe. Et donc ça, en fait, ça fait du snipe. Donc en fait c'est un fusil d'assaut légendaire mais qui fait snipe. Vous avez vu le style? Bon, ça peut être pas mal et je vois qu'en fait elle a une lame en fait à l'avant, ce qui explique le truc de dégâts de corps à corps plus performant. Donc on va faire ce qu'on a à faire, à savoir parler à clé. Je vais aussi me recharger en munitions. Voilà. Et maintenant la résistance. Faut que je vous dise, j'ai bien parcouru cette galaxie. J'ai vu des crimes et des horreurs que vous imaginez même pas. Mais ces jumeaux Calypso et leurs fidèles, c'est encore un autre niveau. Pas besoin d'avoir fait de grandes études pour comprendre qu'il faut les arrêter. Et je crois que vous avez la carrure pour ça. Salut l'archiste. Parlez à Hammerlock. Et eh ben on va se téléporter, on va gagner du temps comme d'habitude. Non, alors attendez. Voilà. Où es-tu mon petit Hammerlock? Voyage éclair. Alors, nous voilà en présence d'une légende vivante. Salut. Bravo, chasseur de l'arche, vous avez administré une bonne grosse ratatouille à ces bandits. Une ratatouille. J'adore ce mot, je vais le garder. Ratatouille. Pendant que vous libériez Reliance des griffes des DDA, j'ai réussi à faire marcher ce phonographe de malheur. On va enfin savoir où est cachée la clé de l'arche. À vous l'honneur, chasseur de l'arche. Eh ben c'est pas trop tôt. Dire que ce sont peut-être les tout derniers mots de Montgomery Jacobs. Je suis pété comme un coin. Oh misère. Pété comme un coin et mort de trouille. Ces fanatiques cherchent les arches et ils veulent la nôtre. Ils seront bientôt là. Alors écoute-moi. La grande réserve, le cimetière huileux, le bijou de famille, c'est là que tu trouveras la clé. Mon fils. L'arbre des Jacobs s'élève majestueux depuis des siècles. Ne les laisse pas l'abattre. Papa, je n'oublierai jamais tes derniers mots. Bon sang de bois! Oh, j'ai le torboyau sur la piste noire, c'est pire qu'une soirée Beaujolais lave-glace. Oh! Bon, ça ira pour l'instant. Le bijou de famille, c'était le vaisseau de mon père. Il s'est écrasé dans la jungle peu après sa mort. Trouvez-le, s'il vous plaît.
À en croire le message cryptique de papa, il devrait y avoir un fragment de la clé à bord. En attendant, Alistair et moi allons réfléchir aux deux autres indices. À une randonnée en terre sauvage. Je vous envie, chasseur de l'arche. Mon royaume pour des chips. Waouh, on doit aller là. C'est un nouvel endroit, non? Donc du coup, logiquement, le plus proche et le plus simple, c'est en passant par là. Ah oui, mais on peut pas se téléporter, en fait, je suis bête. Donc en fait, on va descendre par l'ascenseur. Prévenez-nous quand vous aurez ouvert l'arche, ok? J'ai super kiffé d'arriver pile à l'heure pour le dîner la dernière fois. A plus, les Zizirikiki. Oh, ils ont compris, là, Troy. Ah, c'est là. Ensuite, on prend un véhicule. Non, ça va pas. Et puis après, bah, c'est parti, hein. On va rejoindre l'endroit dit. Alors attendez, par où on passe? Ok, donc il faut passer par là. Mais c'est en bas. Alors est-ce qu'on n'aurait pas un passage par là? Mince. Si l'on saute et puis voilà, on y arrive quoi. Bon, pas prévu comme ça, mais ça me va aussi. Le pire, c'est que j'ai jamais été là. Alors que c'est un des endroits les plus grands, je crois, de la map. C'est fou quand même de pas avoir été dans un des endroits les plus grands de la map. Nous y voilà. Direction la canopée. Vorace. Donc nouvel environnement. On va voir à quoi ça ressemble. Cette map, je crois que c'est une des plus grandes du jeu. Franchement, c'est impressionnant la taille de la map. Ah, on y est. Pourquoi j'ai plus d'armes? Hey. Oh, fais chier. À l'aide! À l'aide! Donc encore un endroit quand même assez grand. Attends une petite seconde. Je capte un signal écho. Nickel, je suis sauvé. Par ici! Qui est-ce qui jacasse pendant que je communie avec la nature? Je veux pas vous entendre, sauf si vous savez où se trouve le bijou de famille. Oh, je connais bien le bijou de famille. Je suis Balex, le navigateur du vaisseau. Je vais vous le prouver. Voilà les coordonnées de mes miches. Venez les sauver. Attendez. C'est où alors? Par contre, je comprends pas pourquoi j'ai plus d'armes. C'est normal ça? Ah, ça y est. Je me disais aussi, c'est vraiment bizarre. Bon, ça sert à rien d'affronter ces choses. Donc au final, on est dans un endroit très tropical avec énormément de créatures qui se
sorte d'on ne sait où. Ouais, je dois le tuer, je suis niveau 23, il est niveau 26. Enfin non, je suis niveau... Bon bref, peu importe. Peut-être que si on peut l'empoisonner, ce serait pas mal. Il me rattrape l'enfoiré à chaque fois. Oh putain. Oh non! Qu'est-ce que c'est ça? C'est mignon. Ouais, j'ai pas envie d'en parler. Pourquoi vous cherchez le bijou de famille? Le petit Wainwright Jacobs m'a dit que je trouverais un fragment de clé de l'arche à bord. Ah, vous connaissez Wainwright? Bon, ok. Ouais, je vais vous montrer où est le bijou. C'est dans la gorge, près d'ici. Je peux vous faire entrer. Ouais, je peux ouvrir ça. Je nous ai bien navigué, les biatchs. Bon, première épreuve passée, vaincre un T-Rex géant. C'est ça le bijou de famille? Il s'est passé quoi? Ouais, j'ai dû faire un atterrissage d'urgence suite à un désaccord malencontreux avec ma pilote Geneviève. Ah, une bonne mutinerie des familles, donc. Ça sonne mieux qu'une rupture violente, donc ouais, on va plutôt dire ça. Le sas d'urgence là-bas, il est fermé par des lignes hydrauliques. Coupez-les, et ce sera bon. Maintenant que vous êtes là, on n'aura pas de mal à reprendre le bijou de famille. Geneviève a tout verrouillé, mais je connais tous les passages. C'est tout de suite plus simple avec le navigateur. Ça donne tout de suite plus envie, ce genre de décor. Genre, épave de vaisseau, on va rentrer à l'intérieur. Là, j'avoue, ça a l'air génial. J'avoue que ça a l'air bien ouais, génial. C'est toujours coincé, ces saloperies. Cognez dessus. Oh merde, les ratches sont de retour. Je croyais que j'avais réglé ce problème. Coupez les lignes hydrauliques. On va pas venir chialer. Voilà, le sas est ouvert. Fragment de la clé est à nous. Ouais, enfin chez soi. On dirait pas comme ça, mais c'était un sacré morceau ce vaisseau à une époque. C'est malheureux que j'ai dû le cracher. Alex, mon petit crétin chéri, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pas installé dans un jouet et balancé aux ordures? Ferme-la, Geneviève. Je suis plus tout seul maintenant. On vient chercher le fragment de la clé. Je sais qu'il est dans la zone de sécurité. Oh, désolé. Il est réservé. Aurélia a dit que si je le lui rapportais, elle m'achèterait un cuirassé. Alors, je vais lui donner.
Donc nous voilà à l'intérieur, c'est cool. Donc je sais pas trop à quoi on va avoir affaire. Oh non putain, tout sauf ça. J'aurais préféré des robots que des créatures de je ne sais quel monde. Ils arrivent. En plus, il y a des sacs à PV. Pas perdu. Allez, allez, allez. Oh putain. Bon, ils arrivent en continu, on est mal barré. Bon, je préfère éviter de marcher dans l'herbe. Honnêtement, je sais pas ce qu'il y a dedans, alors on va éviter. Pas trop par où il faut passer, mais on va essayer de trouver. Où il y a un gros là. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Wow. Ok, bon, on y est. Oh, compte pas sur moi pour t'ouvrir. Je sais bien que je suis qu'une IA militaire sans cœur, mais est-ce que c'est pire qu'une porte fermée? Laissez te me paumer, c'est abusé. Ok, on va improviser. Le bricolage, c'est bien aussi, non? Prenez ces câbles. Oh, quelle merde. Ça fait jamais ça, la télé. Ah merde, c'est bon. Je croyais que c'était un ennemi. Vous voyez, ça a marché. Y'a pas de quoi s'inquiéter ou même de s'énerver contre moi. On est où là? Et où va-t-on? Tiens, tiens, Jacobs. Récupérer le maximum de balles parce qu'il va sûrement y avoir un boss à la fin, alors je vais vous dire. Accès réservé à l'équipe médicale. Eh mais moi je vais où je veux, je suis navigateur. Erreur. Entité Valex définie comme crétin égoïste qui ne connaîtra jamais l'amour. Ouais, j'ai déjà entendu ça. C'est du Geneviève tout craché. Mais je crois que je sais comment contourner le problème. Chasseur de l'arche, pétez-lui sa tête de moche. C'est-à-dire? Et je lui fais zéro dégâts. Alors, t'y vas oh ou pas? Merde, oh, ça fait tellement du bien de pouvoir se déplacer.
Ça fait du bien encore. Ah. J'ai des bras maintenant. Et ça, c'est quoi? Et bim, naviguer les biatchs. Par ici, chasseur de l'arche. Faut qu'on rejoigne la zone de sécurité pour trouver ce fragment de la clé. C'est quoi ce truc? Ah, mais je suis con. Oh, ok, je sais ce que c'est. Ok, on le rejoint et on continue l'exploration de ce vaisseau de botch. Et sinon, Balex, c'est votre prénom ou bien? Ah ouais, 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 bon bah ça veut dire balise automatisée de logistique. Bon ok, en fait le vieux Jacob n'arrivait pas à se décider entre Barry et Alex, alors bim, Balex. Ouais, bon je sais, c'est pas hyper ouf comme histoire au final. Oh, ça pourrait être pire, mes frères s'appellent Baron et Capitaine. Moi, j'ai du bol, c'est juste Zane. Enfin, on s'en tire quand même moins mal que Geneviève. Clairement, quelqu'un lui voulait du mal. Ah, merde ! J'ai même pas regardé la carte un peu pour voir à quoi il ressemblait ce navire. Ouais, en gros, on a fait une petite partie, mais il y a encore du niveau. Puisqu'on doit probablement monter en haut. Enfin, je sais pas, en même temps. Ouais, je pense. Il est énorme, ce navire. Tuez-le ! Tuez-le ! Vous voulez crever ? À tes services ! Je vais filer avant de le regretter. Il y en a trop. C'est chaotique, hein. J'arrive tout de suite. Waouh, je crois qu'on les a tous eus. Je suis où là? Genre, il y avait combien de pourcentage de chance pour que je tombe dans ce trou? Ah ouais d'accord, là ça pourrait limite mener à l'extérieur en fait. Ok, ensuite on doit aller par là je pense. Attendez. On approche de la zone de sécurité, ça devrait être juste... Oh putain. Putain, merde, je suis encore en train de vous naviguer. Vous savez quoi? Démerdez-vous.
Tiens, il en restait un en bas. En même temps, peu importe, on s'en bat les fesses. Ah, niveau 25 les gens. Alors apparemment, voilà la porte de la zone, il y a de des boutiques. Geneviève s'y est barricadée et les autorisations de mon robot. Mais elles sont pas à ce niveau, c'est ça? Et ouais, elles sont à un niveau plus haut. Ça c'est mal foutu. Putain, elle est puissante cette arme. Et c'est pas ce que t'essayais de faire en fait là ou... Enfin je sais pas. T'étais sur cette porte pourtant. Par ici. Oh putain. Attendez, je sais. Y a plus qu'à attendre. Et ouais, ça c'est de la tactique. Ah, les nouvelles portes. Waouh, vous avez vu ça? C'est des traces de sang, oh, non? Merde, d'autres robots. Où d'autres robots? Bah évidemment, ça va de soi. Tellement nombreux et surtout tellement en route.
sais, il nous a mis des tourelles et tout pour nous aider. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Ouah, c'est un peu le bordel, là. Ah ouais, d'accord, ouais. Comment tu y arrives avec des trucs qui sautent autant? Il en reste encore? Ouais, je crois. Alors il y en a un, mais je sais pas où il est. Il va cracher, ma vieille frangine. Je comprends pas. Alors là. Il est bien là, quelque part, mais on le voit pas. On l'entend. On le voit sur la map. Si bien il est sur le balcon là-haut, je peux même pas le voir. Faites voir. Ah mais s'il y était, je le verrais. Bon écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je comprends pas et je sens que ça va fortement m'énerver, mais bon, c'est pas grave. C'est pas lâcher un maximum de pouces bleus et vous abonner, on se retrouve très vite pour la suite, bye bye.